Il n'en reste qu'un au cheval d'Arçon, c'est Hiroyuki Tomita, le japonais. Un gymnaste d'expérience. Finaliste au dernier championnat du monde. Aux barres parallèles, à la barre fixe et au cheval d'Arçon justement. Il peut aller chercher la médaille d'or. Pour l'instant, il y a deux premiers ex-aequo. Allez, bon début de mouvement avec ses travails sur poignet. Tomita, toujours très propre, très élégant. Ici le russe sur poignet. Nouveau gagnant, ça passe impeccable. Transport vers l'avant. Ici vers l'arrière en Shivado. Ah, lui aussi en difficulté, mais ça passe. Le ciseau demi-tour. Et la sortie maintenant à la terre, suivie d'une pirouette. Alors effectivement, alors, ça a un peu coincé. Il n'y a pas de faute dans tout le mouvement, sauf avant les ciseaux. On a pu voir les bras se fléchir et le corps se casser un petit peu, mais il est resté jambes parfaitement serrées. Alors, le score à battre, on le rappelle, c'est 15-375. Ce n'est pas excessivement élevé. Lors des qualifications, Tomita avait reçu une note de 15-350. 15-350, oui, sans doute avec un bon mouvement. Là, il fait une petite erreur. Vous voulez une autre référence? Hier, en finale, $15,500, d'accord. Si ça va se jouer vraiment à très très peu de choses. On le rappelle, il y a deux Coréens pour l'instant. La première place, un Coréen du Sud et un Coréen du Nord. 15-375. Je pense que Tomita sera sur le podium parce que derrière, il y a quand même une petite marge jusqu'à la troisième place, 14-700. Mais à quelle place va-t-on le placer également à égalité? Eh bien oui, c'est incroyable, il n'y a que des médailles d'or, c'est comme dans l'école des fans, tout le monde a gagné.